J'ai l'honneur de présenter professeur Mariam Ben Qassem, qui est professeur d'endocrinologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, et qui est également chef de service au centre hospitalier universitaire de Tanger. Donc la présentation sera également co-présentée par professeur Najat Mouin, qui est professeur de cardiologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, et professeur en cardiologie à l'hôpital militaire de Rabat. Elle est également spécialiste en réadaptation cardiaque de l'ULB Bruxelles. Et je vous dis bienvenue parmi nous, professeur Mouin. Donc, sans trop tarder, je vous donne la parole à professeur Ben Qassem. Et je tiens à préciser que c'est un symposium parrainé par les laboratoires Novo Nordisk. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Merci encore une fois le bureau de la SMEDION pour ce congrès très réussi. Nous avons beaucoup appris pendant ce congrès. Alors, je tiens aussi à remercier le laboratoire Novo Nordisk pour le choix de cette thématique. Nous allons parler inertie clinique et on a le plaisir d'avoir avec nous aussi notre cher professeur Mouin qui va nous éclairer sur les complications de l'inertie. Alors, en matière de diabète de type 2, nous avons régulièrement des recommandations des différentes sociétés savantes. Et puis, nous, les médecins, on aime ces recommandations. On est à l'aise avec les recommandations. Enfin, nous avons les recos de l'OASD, de l'ADA, l'ESC, la SFD. Récemment, on a eu aussi les recommandations de la HAS 2024. Alors, entre les différentes sociétés savantes, il y a quelques points de divergence, mais il faut dire qu'il y a une philosophie qui est commune. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord que les principes de la prise en charge des patients diabétiques de type 2 doivent être avant tout la bonne évaluation de ce risque cardio-rénal, parce que c'est cette évaluation du risque cardio-rénal qui va conditionner la prise en charge thérapeutique et qui va guider le choix de la thérapeutique. On insiste aussi sur le contrôle glycémique en se basant sur un objectif individualisé d'hémoglobine glycée, sans oublier bien sûr la prise en charge optimale des autres facteurs de risque cardiovasculaire et bien entendu le contrôle du poids. Maintenant, oui, nous avons beaucoup de recommandations. Mais est-ce que nos pratiques elles sont conformes à ces recommandations? Alors, on va regarder point par point, en insistant sur les points les plus importants et les objectifs les plus importants de la prise en charge. Alors, le contrôle glycémique, lorsqu'on parle de cet objectif contrôle glycémique optimal, on va regarder notre enquête marocaine publiée en 2016, qui est une étude multicentrique. Il ne montre que le taux des patients chez qui l'objectif d'hémoglobine glycée moins de 7 est atteint ne dépasse pas 26,8%. Et puis, cette deuxième étude d'attitude, elle parle aussi d'un retard d'intensification parce qu'on s'aperçoit ici que l'intensification 6 mois après la constatation d'une deuxième hémoglobine glycée pas à la cible n'est faite que chez 39% des patients et il n'est réalisé que chez 60% des patients une année après la constatation d'une deuxième hémoglobine glycée pas à la cible. Maintenant, on va regarder les patients qui sont à très haut risque cardiaque ou rénal. Alors, les patients diabétiques de type 2 qui ont déjà une maladie cardiovasculaire avérée. Lorsqu'on regarde le taux d'utilisation des agonistes chez LP1, ce taux d'utilisation ne dépasse pas 10%, selon cette méta-analyse récente qui vient d'être publiée. Alors, pareil pour les inhibiteurs de SGLT2, dans les différentes indications, que ce soit diabète type 2 avec maladie cardiovasculaire avérée, ou dans l'insuffisance cardiaque, ou dans la maladie rénale chronique. Alors, le taux ici d'utilisation ne dépasse pas 28%. Alors, mis à part le côté équilibre, médicaments et tout,
on a des recommandations qui concernent aussi le dépistage des complications. Bah, le dépistage de complications aussi pose problème. Et dans cette étude réalisée entre 2007 et 2010, bah, la consultation ophtalmologique et le CG ne sont réalisées que chez 40% des patients d'une manière annuelle. Donc, il y a effectivement un écart ou un fossé entre les recommandations et la réalité. Mais maintenant, comment expliquer cet écart ? Bah, on va répondre spontanément, on va dire que oui, c'est l'inertie clinique. Il y a beaucoup d'inertie et l'inertie, elle est fréquente. Mais ma question, c'est que est-ce qu'effectivement, il n'y a que cette inertie clinique qui explique l'écart entre les recommandations et la réalité ? Bah, il fallait que je commence peut-être plutôt par cette question. C'est qu'est-ce qu'elle signifie pour vous une inertie clinique exactement ? Est-ce que lorsqu'on parle d'une inertie clinique, ceci correspond à une inaction appropriée ? Ou bien c'est une absence d'intensification thérapeutique alors que c'est recommandé d'intensifier ? Ou bien on peut dire que la non-observance du patient est aussi une inertie clinique ? Ou bien c'est une ignorance des recommandations de notre côté ? Nous, les soignants, à votre avis, laquelle de ces réponses est correcte ? Ben, alors, on va analyser ces trois situations. On va revenir à notre question. Alors, nous avons trois situations cliniques de trois médecins et trois patients. La première situation clinique, c'est Dr Fadila avec son patient, Monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed, âgé de 83 ans, il est diabétique type 2 depuis 30 ans et son diabète est compliqué d'AVC ischémique. Il est sous insuline basale deuxième génération et inhibiteur de TPP4 et il est diagnostiqué porteur d'un cancer du poumon au stade métastatique sous traitement palliatif. Monsieur Ahmed est fragile, dénutré, pas totalement autonome et son bilan montre un taux d'hémoglobine glyquée à 8,5%. Tout en sachant qu'il ne présente pas d'hypoglycémie et sa clairance est à 40. Alors, Dr Fadila, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé de renouveler l'ordonnance et de ne rien changer et de le revoir dans 3 mois pour une réévaluation. À votre avis, est-ce que cette situation clinique numéro 1 illustre bien cette inertie ? Ou bien j'ai mal choisi le cas, peut-être ? C'est une inertie ou non ? Ce n'est pas une inertie. Oui, pourquoi ? Parce que ici, Dr Fadila, il est conscient que son malade est diabétique type 2 et aussi il a une maladie cardiovasculaire avérée. Bah, il est conscient que dans ce cas, on peut penser à introduire un agoniste de GLP-1. Mais lorsqu'il a évalué le rapport bénéfice-risque chez ce patient, il s'est dit qu'à long terme, on ne va pas gagner parce que l'espérance de vie est limitée. Parce que probablement c'est un malade en fin de vie. Mais à court terme, il y a un risque. Il y a un risque d'effet secondaire. Il y a un risque d'aggravation de dénutrition. Donc, le rapport bénéfice-risque est défavorable. Et du coup, bah, il n'a rien changé. Et il a accepté cet objectif d'hémoglobine glyquée tant que le patient ne présente pas d'hypoglycémie. Donc, du coup, c'est notre jugement clinique qui nous dit que la recommandation ne s'applique pas à ce patient qui est devant nous parce que nous ne sommes pas censés appliquer à la lettre les recommandations chez tout le monde. Nous sommes censés évaluer le rapport bénéfice-risque chez chaque patient parce que notre patient, il est unique. Et à chaque fois, il faut qu'on se pose une question importante. Est-ce que notre patient qui est devant nous, il ressemble à la population de l'étude ou non ? Ben, si la réponse est non, c'est tellement justifié de ne pas suivre la recommandation. Et c'est ce qu'on appelle l'inaction appropriée. C'est-à-dire, c'est le médecin qui juge que la reco ne s'applique pas à son patient. C'est une inaction appropriée et ce n'est pas une inertie clinique. On passe à la situation numéro 2. Alors, nous avons Dr Raihana et Mme Fatima. Alors, Mme Fatima, elle a 35 ans.
Et là, une obésité, on va dire grade 2, le BMI à 32, aucune comorbidité. Mais il veut perdre du poids. Il est suivi pendant 2 ans jusque-là chez Dr Raihana. Alors, pendant ces 2 ans de suivi, Madame Fatima, il n'a rien perdu. Au contraire, il a pris 6 kilos supplémentaires. Alors, est-ce que cette situation clinique illustre l'inertie ou non? Peut-être que les données que je vous ai données sont insuffisantes. On ne sait pas ce qu'elle a proposé Dr Raihana et on ne sait pas comment il s'est comporté Madame Fatima. Alors, Dr Raihana, il a jugé que son médecin nécessite uniquement un changement de mode de vie. Donc, il a programmé plusieurs séances pour parler diététique, activité physique. Madame Fatima, il a très bien compris les messages de son médecin. Mais il arrivait à chaque fois de ne pas appliquer ça sur le plan pratique. Il nous dit, oui, je sais très bien ce que je dois faire, mais je ne fais pas, c'est plus fort que moi. Alors, comment vous jugez cette attitude de plutôt la patiente, Madame Fatima? Il maîtrise bien ce qu'il doit faire, mais il ne fait pas. Est-ce que c'est une inertie? L'attitude de Madame Fatima, c'est une non-observance. C'est une non-observance, elle n'observait pas les recommandations de son médecin. Alors la non-observance, c'est quoi? C'est une absence d'adéquation entre les comportements du patient, que ce soit une prise médicamenteuse ou suivi d'un régime, et les prescriptions médicales. Et c'est important de différencier cette non-observance de l'inertie clinique. Maintenant, on passe à la troisième situation. Monsieur Younous avec son médecin, Dr Omar. Alors, Monsieur Younous, il a 58 ans, il est diabétique type 2 depuis 6 ans, son metformine pleine dose. Comme antécédent, son frère est décédé à l'âge de 45 ans, c'était une mort subite. Et son frère aîné est diagnostiqué porteur d'une coronaropathie depuis qu'il avait 50 ans. Monsieur Younous ne tolère pas l'effort, il rapporte des douleurs thoraciques à l'effort. Il a une obésité avec un BMI à 33 et le reste de l'examen, notamment l'examen cardiovasculaire et le CG, ne montre pas d'anomalie. Alors, Dr Omar est responsable des suivis médicaux de son patient, M. Youssef, depuis 2019. Il l'a mis sous metformine et puis, mis à part la première hémoglobine glycée à 6,8, le reste, c'est toujours moins de 6,5. Il est toujours bien équilibré, son metformine. Et puis, le bilan dégénératif qu'il demande à chaque fois, et je précise que ce bilan comporte une fonction rénale avec microalbuminurie, une évaluation cardiaque basée sur l'ECG et le TT, et un fond d'œil. Et puis, ce bilan, il est répété chaque année d'une manière annuelle et à chaque fois, ce bilan ne montre pas d'anomalie. Et à chaque fois aussi, Dr Omar, il continue à donner le même traitement quitte la metformine puisque son patient est bien équilibré. Alors, à votre avis, est-ce que cette situation 3 illustre cette fois-ci l'inertie? Ou bien j'ai mal choisi encore une fois le cas? Alors, stratifier le risque. OK. Effectivement, Monsieur Younous, en 2024, il a changé de vie et il a changé de médecin. Maintenant, il est suivi avec un autre médecin qui s'appelle Dr Ali. Dr Ali, d'emblée, il était inquiet par rapport au risque cardiovasculaire de ce patient, vu les antécédents et vu les facteurs de risque cardiovasculaire. L'évaluation de ce risque cardiovasculaire a permis de classer le patient dans la catégorie très très haut risque. Ceci a impliqué bien sûr une bonne évaluation cardiaque qui a comporté une épreuve fonctionnelle et qui était positive. Et puis la réalisation d'une coronarographie qui a montré une lésion très tronculaire. Et par la suite, M. Omar, il a demandé aussi un bilan hépatique qui a montré des transaminases élevées avec une NFS qui montre une thrombopénie et un score FIB 4 élevé. Et Dr Hafsa se rappelle de ce patient. Et puis, l'échographie a montré un foie hétérogène avec
la fibroscopie déjà des varices œsophagiennes, c'est-à-dire c'est une fibrose hépatique. Donc en 2024, nous avons deux complications qui viennent d'être diagnostiquées, la coronaropathie et aussi la fibrose hépatique, chez ce patient qui était très bien équilibré sous metformine. Alors, à votre avis, cette troisième situation clinique, est-ce qu'elle illustre l'inertie? Oui, pourquoi oui? Parce que c'est aussi l'absence de dépistage de complications. Ben, on ne va pas toujours dire l'inertie, c'est une absence d'intensification thérapeutique. Ce patient ne nécessite pas une intensification, mais il nécessite une bonne stratification de risque, un bon dépistage des complications. Et bien sûr, en fin de compte, on va revoir le traitement et on va instaurer d'autres thérapeutiques. Donc, absence de dépistage des complications, c'est une inertie clinique. Donc, maintenant, si on va parler de la définition de l'inertie clinique, ben, sur le plan historique, ce terme inertie a été utilisé pour la première fois dans les années 99, dans le titre de cette publication qui dit que c'est possible d'améliorer l'équilibre de diabète en luttant contre l'inertie clinique. Mais la première publication qui a détaillé, qui était consacrée à l'inertie clinique, c'est celle de 2001, de professeur Phillips, qui est un endocrinologue. Et la définition donnée à l'époque en 2001, c'est lorsque les buts des traitements sont bien définis et les traitements efficaces sont largement disponibles. Et puis, les recommandations aussi, elles sont largement diffusées. Mais malgré ces progrès, nous, les soignants, ne commençons pas. On n'intensifie pas le traitement lors des consultations où il faudrait, à l'évidence, le faire. Donc, dans cette première définition, on parle d'une absence d'intensification ou une absence d'instauration du traitement alors que c'est recommandé. Maintenant, les définitions les plus récentes, ben, on inclut aussi la désintensification. C'est-à-dire, mon patient a besoin d'une désescalade thérapeutique. Je sais très bien qu'il n'a pas besoin d'insuline. Ben, si je le garde sous insuline, c'est une inertie clinique. Donc, absence d'instauration, d'intensification ou bien de désintensification de traitement. Mais moi, ma préférée, c'est cette définition du professeur Gérard. Alors pourquoi? Parce que cette définition de professeur Gérard, il va nuancer bien le diagnostic d'inertie clinique. On a parlé de l'ignorance, on a parlé de l'inaction appropriée et la non-observance du patient. Alors, et on a parlé aussi de l'absence de dépistage des complications. Dans cette définition de professeur Gérard, il nous dit qu'une attitude médicale peut être qualifiée d'une inertie si et seulement si on a des critères, on a des conditions. Et on a besoin de ces cinq conditions. Alors la première condition, c'est qu'il faut qu'une recommandation existe. Si on n'a pas de recommandation, déjà on ne peut pas parler d'une inertie. Et puis, moi le docteur, je connais cette recommandation. Et si moi, le docteur, je ne connais pas cette recommandation, je ne sais pas que ça existe, ça ne s'appelle pas inertie. Ça s'appelle comment ? Ignorance. Et puis, moi, le docteur, je pense que cette reco s'applique à mon patient qui est devant moi. Et si je pense qu'il ne s'applique pas à ce patient qui est devant moi, on appelle ça comment ? Inaction appropriée. Et moi, le docteur, j'ai les ressources pour appliquer cette recommandation. Et enfin, moi, le docteur, en fin de compte, je ne suis pas les recommandations dans le cas de mon patient. Donc, cette définition, elle est assez complète parce qu'il ne parle pas que de l'intensification ou l'instauration et il permet de nuancer l'inertie de l'inaction, de la non-observance et aussi de l'ignorance. Alors, nous avons bien compris que la première situation illustre bien l'inaction, c'est lorsqu'on juge que la reco ne s'applique pas. La deuxième situation illustre la non-observance, c'est lorsque notre patiente ne suit pas les recommandations. Et c'était la troisième situation qui a bien illustré l'inertie parce qu'il y avait une absence de dépistage de complications. Maintenant, c'est un petit peu bizarre. Comment ça se fait que moi,
Je connais cette reco, je la maîtrise bien et je sais très bien que ça s'applique à mon patient et en fin de compte, je ne l'applique pas. Comment ça fonctionne chez moi? Comment je raisonne pour prendre cette décision? Alors, c'est la raison médicale. Bah, c'est important de rappeler cette définition de la raison médicale. Bah, la raison médicale, c'est l'ensemble des mécanismes mentaux qui nous conduisent, nous les médecins, pour proposer un traitement et qui conduisent aussi nos patients à être observants et à suivre la prescription médicale. Ben, ici, la clé de la réponse à ces mécanismes et à ces déterminants de l'inertie, c'est quoi? C'est que cette raison médicale et notre raisonnement médical, il n'est pas purement analytique, c'est-à-dire qu'il n'est pas basé uniquement sur les connaissances. Il y a un autre volet qui intervient, c'est le volet émotion. Donc, les connaissances, oui, sont importantes, les compétences aussi, mais on voit ici qu'ils ne sont pas suffisants. Il n'y a pas que ces connaissances et ces compétences qui vont aboutir à ce désir d'appliquer la recommandation. Il y a aussi les émotions et les croyances. Et puis, nous avons aussi besoin de ressources pour appliquer cette recommandation. Maintenant, pour l'observance thérapeutique des patients, bah, c'est exactement la même chose et c'est exactement les mêmes mécanismes. Ma patiente, s'il est bien renseigné, s'il maîtrise bien les recommandations, bah, ce n'est pas suffisant pour qu'il applique ça sur le plan pratique. Alors, je reviens à la situation de la patiente Fatima, qui est non observante. Alors, on a dit que Fatima maîtrise bien ce qu'elle doit faire. Mais comment ça se passe chez elle? Alors, côté connaissance, il n'y a aucun souci. Elle maîtrise parce que son médecin lui a expliqué ça à plusieurs reprises. Côté croyance, ben, pour elle, ben, il n'est pas vraiment convaincu et il croit que ces mesures génodiététiques, de toute façon, elles ne vont pas être vraiment efficaces. Et de toute façon, même s'il respecte ça, il ne va pas perdre beaucoup de poids. Et puis, Madame Fatima, elle est tellement gourmande. Elle aime manger, elle adore manger. Et elle donne toujours la priorité à ses émotions immédiates. Ben, tout ce qui va se passer par la suite à long terme, prise de poids, complications liées à l'obésité, ben, tout ça, il ne le voit pas bien. Il ne le maîtrise pas bien. Mais pour elle, ce qui est important, c'est cette émotion immédiate. Elle aime manger, elle a beaucoup de plaisir. Donc, elle donne la priorité à ça. Alors, même s'il maîtrise ce qu'il doit faire, mais ici, ses croyances et ses émotions ont abouti à cette non-observance thérapeutique. Alors, là, on peut dire aussi que, par rapport à son médecin, Dr Raihana, qui a insisté sur un seul point, c'est le côté connaissance. Plusieurs consultations pour parler de ce volet de l'éducation thérapeutique, que le volet connaissance. Et puis, il n'a pas regardé l'autre volet émotionnel, la motivation de cette patiente, comment ils sont ses croyances et comment ils sont ses émotions. Donc, on a bien compris que pour passer à l'action, pour appliquer une recommandation, ou bien pour que notre patient suive les recommandations, ben, nous avons besoin des connaissances et des compétences, mais aussi il y a les émotions et les croyances qui interviennent et nous avons besoin de ressources. Maintenant, si on parle cause de l'inertie, c'est qu'il y a un problème quelque part, un problème qui concerne ces intervenants, que ce soit les connaissances, les ressources ou l'émotion. Alors, connaissances et compétences. Déjà, la définition, on a exigé qu'on connaît la recommandation pour parler de l'inertie. Alors, le problème ici qui se pose, c'est que je peux bien maîtriser la recommandation, connaître plutôt la recommandation, mais sur le plan pratique, je peux avoir des lacunes concernant l'application de cette recommandation. C'est-à-dire, je sais que je dois donner un médicament quelconque, mais j'ai des incertitudes concernant laquelle des molécules je peux choisir, quelle dose je vais instaurer, comment je vais titrer. Alors, on appelle ça incertitude. Puis, les émotions peuvent être biaisées
C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui est un déterminant majeur de l'inertie clinique. Et puis, les ressources, c'est une cause profonde aussi de l'inertie. C'est lorsque mon patient présente plusieurs demandes et moi, je n'ai pas le temps pour répondre à toutes ces demandes. Donc, une incertitude aux demandes compétitives, aux biais cognitifs sont les principaux déterminants de cette inertie. Alors, incertitude, je pense qu'on a parlé de ça. Maintenant, les biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs et le premier biais, ce sont nos croyances. Alors, depuis cette première publication de 2001, ce qui est ici évoqué comme biais cognitif, c'est notre surestimation de la qualité de soins. Ben, nous, les soignants, on surestime ce qu'on fait. Et on se dit toujours qu'on maîtrise bien et qu'on soigne bien. Et on se dit toujours, lorsque le résultat est mauvais, que c'est un problème du patient. C'est un problème de mauvaise observance du patient. Et lorsqu'on demande aux médecins par rapport à l'inertie clinique, ben, les médecins répondent souvent de la même manière. Oui, cette inertie, on la connaît bien. Cette inertie, on parle toujours de cette inertie, mais moi, je ne suis pas inerte. Peut-être que les autres qui sont inertes. Alors, autre biais cognitif sont les bonnes raisons, ou plutôt ici, les mauvaises raisons, ou les raisons qui sont molles, pas robustes. Bah, l'exemple, c'est que lorsque j'ai un malade diabétique qui nécessite une intensification, parce que depuis 2019, il n'est pas bien équilibré. Et je le laisse traîner, parce qu'à chaque fois, j'avance une raison quelconque. Je le vois en 2019 avec une hémoglobine glycée à 8,5, et je dis, il ne respecte pas les mesures. Je vais renforcer les mesures régionodiététiques. Je le vois en 2009, en 2020, avec une hémoglobine glycée à 9%. Et je dis, oui, c'est vrai qu'il nécessite un traitement injectable. Mais est-ce qu'elle va accepter? Peut-être que ça va prendre du temps et en fin de compte, elle ne va pas accepter. Bah, je laisse ça pour la prochaine consultation. De toute façon, ce n'est pas urgent. Et puis, je le vois en 2021 avec une hémoglobine glycée à 8,7. Et je dis, oui, peut-être que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. 8,7, c'est moins de 9. Il y a une petite amélioration quand même. Je ne change pas. Et je vois au encore une fois, avec une hémoglobine glycée à 8,5, je dis, oui, j'avais raison, les choses sont en train de s'arranger. Et par la suite, je le vois en 2023 avec une hémoglobine à 9,2, et cette fois-ci, il a développé une rétinopathie qu'il n'avait pas avant. Et là, j'ai intensifié. Donc, à chaque fois, j'avance des raisons qui sont très molles pour ne pas passer à l'action et ne pas intensifier le traitement. Et puis, un autre biais qui est aussi incriminé dans l'observance thérapeutique des patients, c'est le regret anticipé. Ici, par exemple, je suis devant ce patient, c'est content, et les diabétiques qui sont diabétiques compliqués d'un AVC ischémique, et les sommetformine, statine et anti-agrégant. Et ce patient, je sais très bien que je dois donner un agoniste de GLP-1, mais ça, le côté connaissance, je le maîtrise. Mais j'ai peur que ce patient présente une pancréatite aiguë. Bah, ils vont dire que peut-être qu'il va faire une forme grave. Mon dernier patient que j'ai mis sous agoniste, il a fait un événement, un effet secondaire fâcheux. Alors, je ne fais rien cette fois-ci. Encore une fois, ce n'est pas urgent. Là, bah, tout ce qui est court terme, je le vois. Bah, mon patient, il n'a rien présenté. Et je pense à cet effet secondaire et je dis qu'il va faire une pancréatite aiguë. Et puis, je dis aussi que je vais peut-être regretter ma décision. J'anticipe aussi le regret, alors qu'il n'a rien fait, alors que je n'ai pas donné, alors qu'il n'a pas présenté d'effet secondaire. Alors, le problème du regret anticipé, c'est la myopie clinique. C'est que encore une fois, on raisonne arguments présents. On donne la priorité aux arguments présents et puis on néglige le futur. Ben, dans l'immédiat, oui, il y a un risque d'effet secondaire, mais je sais très bien que je peux gérer ce risque. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de précautions à faire.
Mais tout ce qui est avantage à long terme, ça c'est très petit pour moi, je ne le vois pas. C'est ce qu'on appelle la myopie clinique, c'est lorsqu'on donne la priorité à ces arguments des présents et on néglige le futur. Et puis, un autre biais, c'est le manque, les demandes compétitives. Alors, les demandes compétitives, c'est quoi ? C'est que ce patient, il vient d'être diagnostiqué diabétique. Il est très déséquilibré, il a une hémoglobine glycée à 13. Et puis, il a des douleurs neuropathiques et des brûlures mixtionnelles. Et un taux de LDL élevé. Et je dois le gérer, moi. Comment je vais gérer ce patient ? Est-ce que je vais m'occuper des mesures génodiététiques parce qu'il vient d'être diagnostiqué diabétique ? Ou bien de l'éducation, de l'insulinothérapie parce que je dois instaurer une insulinothérapie ? Ou bien je dois stratifier le risque cardiovasculaire ? Ou bien je vais traiter ce cholestérol ou la neuropathie ? Qu'est-ce que je dois faire exactement devant ce patient ? Peut-être pour régler tous ces problèmes, ça va me demander 2 heures. Mais comment je vais gagner ma vie si je vais rester 2 heures avec ce patient ? Bah, c'est le problème des demandes compétitives. Et c'est aussi une cause profonde de l'inertie clinique. Alors là, vous pouvez me dire que c'est peut-être compréhensible. C'est peut-être compréhensible si notre patient présente plusieurs demandes, de donner la priorité à une demande urgente et de reporter le reste. Alors, oui, on peut faire ça. Mais lorsqu'on se concentre sur un seul volet, par exemple équilibre de diabète, on oublie le reste, comme par exemple la prise en charge des facteurs de risque et la stratification de risque cardiovasculaire. Et lorsque ceci se répète d'une consultation en consultation, ben, ça va devenir critiquable. Donc, nous avons bien compris que les déterminants sont les biais cognitifs, l'incertitude et puis ces demandes compétitives. Alors, tous ces déterminants, ils vont rendre la décision que je vais prendre tellement complexe et difficile. Et mon cerveau, vis-à-vis de cette décision difficile, il va me dire, bah, reste à ta place, ne change rien. Il va préférer le statu quo. C'est ce qui explique l'inertie clinique. Alors maintenant, comment lutter contre cette inertie ? La clé, encore une fois, si on parle solution, c'est de pouvoir analyser ça à l'échelle individuelle. Parce que le problème, c'est moi. Et la cause de l'inertie, c'est moi. Ce n'est pas la même chez ma collègue et ce n'est pas la même chez un autre collègue. Ça peut être une incertitude, comme ça peut être un biais ou une demande compétitive. Donc, on va analyser où il se situe le problème et on va régler problème pour problème pour débloquer la situation. Alors, lorsqu'il s'agit d'un problème d'incertitude, moi, je maîtrise la recommandation, je ne sais pas comment l'appliquer sur le plan pratique. Je n'ai pas le choix, je dois travailler sur moi. J'ai besoin d'une formation médicale continue. Alors, cette formation va régler ce problème d'incertitude et c'est débloqué, c'est bon. J'ai ce problème de demande compétitive, ben, ça demande tout simplement une bonne coordination des soins, ça demande une organisation. On peut toujours proposer une hospitalisation pour un malade qui a beaucoup de problèmes. On peut toujours s'organiser et régler problème par problème et programmer une autre consultation pour régler les autres problèmes. Et lorsqu'il s'agit d'un problème lorsqu'il s'agit d'un problème d'émotion, de biais cognitif, alors là, ils font ce qu'on appelle le renversement émotionnel. Ben, au lieu d'avoir peur de cet effet secondaire, il faut penser au bénéfique à long terme, il faut avoir de l'espoir, il faut penser à la fierté qu'on va avoir si notre patient va être bien équilibré et si on peut le protéger d'éventuels complications. Donc, il faut apprendre à utiliser les émotions positives, même dans le soin. Ceci va nous régler ce problème de biais cognitif. Et là, les 3 problèmes, ils sont débloqués et on peut passer à l'action. Et pour finir, une petite réflexion, c'est que, oui, effectivement, lorsqu'on regarde notre cursus médical, on se focalise beaucoup sur les pathologies et les traitements de ces pathologies. Maintenant,
est-ce qu'on ne peut pas penser à revoir ce cursus? Est-ce qu'on ne peut pas penser à inclure d'autres choses et à enseigner ça pour les futurs médecins et à ajouter ces modules concernant l'éducation thérapeutique, le raisonnement médical, l'inertie clinique et la non-observance du patient? Et sur ce, je vous remercie. Je donne la parole à professeur Mouine pour parler des complications. Merci, professeur Belkacem, pour votre excellente présentation, très didactique et très claire en matière de l'inertie thérapeutique, qui nous pose aussi un problème à tous. Donc, tout d'abord, avant de commencer ma présentation, je tiens à remercier le comité d'organisation de l'ASMEDIAN pour l'invitation, et particulièrement les laboratoires Novo Nordisk pour m'inviter, pour l'invitation à animer cette co-session avec ma collègue, Dr. Belkacem. Je tiens à remercier aussi mesdames les présidentes et l'honorable assistance d'avoir resté jusqu'à cette heure pour nous suivre. Alors, tout d'abord, la chose la plus importante qu'on doit tous savoir, c'est que nous, cardiologues et endocrinologues, on travaille ensemble, on a une tâche à régler, on doit être une équipe multidisciplinaire avec une prise en charge globale de nos patients, parce qu'il faut savoir que le diabète représente un véritable fléau mondial. Et la prévalence du diabète ne cesse d'augmenter à travers le monde, comme vous voyez sur cette diapositive. Sur l'ensemble des continents, le diabète il va augmenter jusqu'à doubler, voire tripler de pourcentage. Alors, et les patients qui sont diabétiques, malheureusement, ils représentent un risque accru de complications cardiovasculaires, parce qu'il y a un risque très important de survenue donc d'engorgement d'effort pour plus de moitié des cas, 54% de risque d'infarctus de myocarde et 56% risque d'insuffisance cardiaque et plus de 70% risque d'accident vasculaire cérébral et de maladie artérielle périphérique. Une chose qui est très importante, qu'il y a une corrélation entre le pourcentage de l'hémoglobine glyquée et la survenue des complications, parce que 1% d'hémoglobine glyquée va augmenter le risque de 14% d'infarctus de myocarde, le risque de 12% d'accident vasculaire cérébral, un risque de 43% de maladie artérielle périphérique et un risque de 16% de survenue de l'insuffisance cardiaque. Donc regardez, il y a une corrélation très importante, étroite, entre le pourcentage de l'hémoglobine glyquée et les complications cardiovasculaires. Alors, parce que les complications cardiovasculaires, maintenant, on a malheureusement 9 patients sur 10 diabétiques présentent une maladie cardiovasculaire établie, que ce soit une atteinte cardiaque, cérébrale ou vasculaire périphérique. Alors, les complications cardiovasculaires chez le diabétique, malheureusement, elles sont fréquentes, elles sont multipliées à 2 fois 3. Elles sont malheureusement très graves, avec une espérance de vie qui est basse. Il réduit de 8 ans le risque d'espérance de vie à moins de 65 ans et de 4 ans au-delà. Il faut savoir qu'il y a une entité importante qu'on cherche toujours chez nos patients diabétiques, c'est l'ischémie myocardique silencieuse, parce qu'elle est aussi fréquente et dont le pronostic il est plus grave. Et les complications cardiaques sont 3 fois plus fréquentes chez le diabétique sans ischémie myocardique silencieuse. Alors, comment elle est la coronaropathie chez le patient diabétique? Généralement, c'est des patients jeunes avec une atteinte sévère, plus extensive et plus difficile et distale, et c'est le cas du dernier patient présenté par ma collègue Dr. Belkacem. Il a des maladies, des lésions tritronculaires, malheureusement. C'est une pathologie c'est une atteinte vasculaire coronaire qui est évolutive. Nous, on dit souvent que le diabète est une maladie artérielle évolutive. Généralement, elle est de pronostic moins bon parce que la mortalité par infarctus elle est aussi importante. Et malheureusement, une maladie coronaire, il y a un risque d'altération de la fraction d'éjection du patient et l'évolution, malheureusement, vers l'insuffisance cardiaque. Alors, pour illustrer tout ça, nous allons essayer de voir ensemble un cas clinique. Donc, c'est un patient âgé de 50 ans, diabétique depuis l'année 2010, sous antidiabétiques oraux. Malheureusement, il n'est pas équilibré, mais c'est quelqu'un de asymptomatique sur le plan cardiovasculaire. Alors, à l'examen clinique, il est en obésité. Il a un BMI à 33 kg par mètre carré. Sa tension artérielle, elle est normalement haute, parce que maintenant, la nouvelle définition et les dernières recommandations de l'HTA, c'est les guidelines pression artérielle élevée et HTA. Donc, il y a une nouvelle entité maintenant définie.
et l'examen cardiovasculaire de notre patient, il est normal. Son bilan biologique révèle un diabète mal équilibré. Il a une hémoglobine glycée à 9%. Il a heureusement une bonne fonction rénale avec un débit de filtration glomérulaire à 79 ml par minute. Et son bilan lipidique, il est perturbé parce qu'il a un LDL à 1,31 g par litre et un cholestérol total à 2,07 g par litre. Alors, nous effectuons un examen clinique, donc un examen paraclinique, notamment un électrocardiogramme qui montre un rythme régulier sinusal avec un axe qui est normal. Il n'a pas de trouble de la repolarisation. Vous voyez, donc, il a un ECG normal. On complète par une échocardiographie qui trouve des cavités cardiaques de taille normale avec une bonne fonction contractile du ventricule gauche en utilisant le biplan, donc la FEVG. Mais là, ce que vous voyez, c'est l'œil de bœuf, c'est la détection de l'atteinte infraclinique sous endocardite. C'est une application au niveau de nouvelles machines échographiques qui permet de détecter une atteinte infraclinique. Notre patient, il a un strain longitudinal, il est à moins 20%, donc il est normal. Alors jusque-là, notre patient, il est bien sur le plan évaluation cardiaque. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Selon les recommandations, tout patient diabétique, asymptomatique ou un diabète sévère, il est recommandé d'estimer le risque cardiovasculaire à 10 ans. C'est une classe 1 avec un niveau de Freve B. Et c'est ce qu'on a fait chez notre patient. Nous avons calculé le risque en utilisant donc l'application, donc il est de sexe masculin, l'âge 50 ans, on a mis les valeurs de la pression artérielle, du cholestérol total, de l'HDL, et on a calculé l'hémoglobine glycée et son débit de filtration glomérulaire. Alors notre patient, il a un score à 15,5%, donc il est classé au risque cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réaliser un test d'ischémie, et c'est le cas. Nous avons réalisé une épreuve d'effort menée jusqu'à 90% de la fréquence maximale théorique. Elle était positive. Notre patient, il a fait la douleur thoracique à l'effort avec des modifications électriques. Comme vous voyez, il a fait un sous-décalage horizontal au niveau des dérivations apicolatérales. Donc, une fois le test d'ischémie, il est positif. Donc, nous avons tous les arguments nécessaires d'aller effectuer une coronarographie. Alors, la coronarographie, elle a montré une sténose subocclusive du segment proximal de l'artère interventriculaire antérieure qui a fait l'objet d'une angioplastie par mise en place d'un stent actif avec de bons résultats. Alors, quel est l'objectif de notre patient? Donc, notre patient, c'est un diabétique coronarien. Il y a des objectifs, notamment un LDL qui doit être bas, à moins de 0,5 g par litre. Il faut viser une hémoglobine glycée moins de 7% et surtout l'aider à baisser le poids et atteindre un IMC à moins de 25 kg par mètre carré. Alors, il sort sous traitement médical associant une double interagrégation plaquettaire. Il est stenté, donc il faut la maintenir au long terme. On a mis l'association rosuvastatine-ezetimibe pour aller encore baisser le LDL et être à moins de 0,55. Donc, c'est l'effet synergique de l'ezetimibe avec la rosuvastatine. Un bêta-bloquant pour baisser un petit peu la consommation d'oxygène et le déséquilibre entre les besoins et l'apport du myocarde. Une protection gastrique, mais un élément très important, c'est l'ajustement thérapeutique de son diabète en introduisant les analogues du GLP-1 à raison de 0,6 en sous-cutané la première semaine, 1,2 la deuxième semaine, puis 1,8 la troisième semaine au-delà. Et surtout, un programme de réadaptation cardiaque. Pourquoi la réadaptation cardiaque? Parce que c'est un programme qui va permettre aux patients d'être pris en charge sur tous les plans, cardiaque, fonctionnel et surtout l'éducation thérapeutique. Alors, notre patient, il a des capacités cardio-respiratoires satisfaisantes. Il a fait un programme de 30 séances, 3 fois par semaine. Un programme qui est varié, fait d'endurance et de renforcement musculaire et essentiellement des ateliers éducatifs pour lui expliquer l'importance de gestion de son diabète, l'importance de la maladie coronaire et son retentissement. Et surtout, il a été vu par la diététicienne. Et l'élément important, c'est qu'il doit perdre quand même 22 kilos. Et il a fait un régime, notamment donc notre diététicienne lui a fourni le régime qu'il doit suivre. Alors, vous savez qu'il y a des cibles thérapeutiques. Notre patient diabétique coronarien avéré, donc l'hémoglobine doit être à 7%. Il faut éviter les hypoglycémies, introduire les analogues du GLP-1, et c'est le cas de notre patient. Pensez aussi aux anti-GLT-2, parce que les recommandations sont claires que ces molécules-là entraînent une protection cardiaque. L'objectif du LDL, c'est moins de 0,55, et bien sûr une activité physique, et l'ADAPT, bien sûr, et l'évaluation régulière. Alors, la prise en charge multidisciplinaire du patient diabétique, elle est très importante parce qu'il y a
une réduction des complications, notamment le contrôle glycémique, la baisse du poids, le contrôle de la dyslipidémie, de la pression artérielle, c'est-à-dire la prise en charge de l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire est très importante parce qu'il faut assurer un contrôle glycémique, mais malheureusement, il reste sous-optimal chez nos patients diabétiques. Comme le montre l'ensemble des études, il y a souvent un patient sur deux diabétique qui n'est pas aux objectifs du LDL, plutôt de l'hémoglobine glycée. Alors, pourquoi il y a cette inertie thérapeutique chez le patient diabétique ? Parce qu'il y a des causes multiples, notamment des causes liées aux médecins, comme le professeur Ben Qasem a bien expliqué, liées au patient lui-même, liées à la maladie et liées aussi au système de santé. Et ceci ne va qu'entraîner que des conséquences, notamment sur la maladie. Pour la maladie, une diminution des performances médicales et bien sûr des conséquences pour la société. Alors, quelles sont ces causes liées à l'inertie thérapeutique ? Notamment, il y a des causes qui sont liées au praticien lui-même. Donc, notamment, il y a le manque de temps. Donc, des fois, on se retrouve avec plusieurs patients. Donc, c'est le temps pour l'expliquer. Le patient peut attendre le prochain rendez-vous. On se dit, il y a peur d'initier et d'intensifier le traitement. La peur des effets secondaires. Une mise en avant des raisons. Donc, comme a dit, il y a beaucoup de billets qui sont introduits. Le chiffre n'est pas à la cible, mais amélioré. Le patient n'aime pas les médicaments. Ou bien carrément, on rentre dans certaines empathies avec le patient. Il y a aussi les facteurs qui sont liés au patient. Le patient, des fois, il n'est pas conscient de sa maladie, donc il ne conçoit pas la gravité des choses. Des fois, il n'est même pas convaincu du bénéfice d'intensifier le médicament. Il ne comprend pas le traitement. Et c'est notre rôle, en fait, en réadaptation cardiaque, c'est de faire comprendre au patient leur maladie. Il sait qu'il est coronarien, il sait qu'il est insuffisant cardiaque. Il doit comprendre les médicaments, leurs effets secondaires et les gérer. Il y a aussi l'influence de l'entourage, il y a la peur de la polymédication et surtout le manque de motivation. Il y a aussi des facteurs qui sont liés au système de santé, l'absence d'aide à la décision, l'absence de campagne de sensibilisation, chose qui est très importante, et le nombre important de patients par consultation. Et il y a aussi un hiatus entre le premier et le deuxième ligne de soins. Alors, quelles sont les conséquences de l'inertie thérapeutique ? Il y a des conséquences individuelles liées aux patients. Et c'est malheureusement le risque d'augmentation des complications, la mauvaise qualité de vie et l'espérance de vie qui va être réduite. Il y a des conséquences, donc la diminution de performance des praticiens et des conséquences qui sont liées à la santé, à la société, notamment un coût élevé pour la sécurité sociale. Alors, si on peut agir sur ces éléments-là, agir sur l'inertie thérapeutique, sur la non-observance, c'est très important, comme a dit professeur Ben Qasem, c'est la motivation, c'est les recommandations qui sont là, qu'il faut les appliquer pour l'ensemble de nos patients, et aussi, il faut insister sur l'éducation thérapeutique qui doit faire partie de notre pratique courante. Parce que l'inertie thérapeutique, malheureusement, elle va entraîner toutes les complications qu'on vient de citer, les complications cardiovasculaires, l'atteinte rétinienne, l'atteinte neurologique, l'espérance de vie qui va baisser, le retentissement, le coût pour le système de santé. Donc, il faut agir sur ces éléments-là et lutter contre l'inertie thérapeutique. Et bien sûr, les recommandations sont claires parce que le traitement hypoglycémiant pour les patients diabétiques avec maladie coronaire avérée, nous avons entre nos mains plusieurs molécules, notamment les analogues du GLP-1 qui sont en classe 1A et qui sont hautement recommandés. Et aussi, il y en a les anti-GLT2 qui sont hautement recommandés. Nous, en cardiologie, on peut utiliser les deux parce qu'un coronarien diabétique, il doit être sous analogue du GLP-1 parce qu'il protège contre les complications cardiovasculaires. Et s'il arrive au stade d'insuffisance cardiaque, nous avons l'effort fantastique parmi les anti-SGLT2 qui font partie du médicament d'un patient en insuffisance cardiaque. Donc, coronarien, diabétique, insuffisant cardiaque, il doit avoir les deux. Alors, notre patient, après 3 mois, il va bien, il est asymptomatique, il a amélioré ses capacités fonctionnelles parce qu'il a suivi de façon régulière le programme de réadaptation. Il a quand même réussi à perdre 13 kilos par les conseils de la diététicienne et le programme d'entraînement qu'il a suivi. Un élément très important, c'est qu'il a baissé son hémoglobine glycée qui est passé de 9 à 6,5% et aussi le LDL qui a baissé de 1,3 à 1,065. Il doit encore baisser à moins de 0,55 et on a gardé le même traitement. Alors, en conclusion, la maladie coronaire, elle est fréquente chez les patients diabétiques. Il faut savoir que l'atteinte coronaire chez le diabétique, elle est très sévère, elle est multitronculaire et évolutive. Il faut toujours lutter contre l'inertie thérapeutique. Tout ceci va être réalisé par une prise en charge globale et optimale et surtout un travail multidisciplinaire réunant donc notre action ensemble, cardiologues et endocrinologues, d'où un intérêt d'un bénéfice global. Je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Mouine. Merci, professeur Benkassem, pour vos deux excellentes présentations.